Good morning, good afternoon, good evening, everyone Bonjour et bonsoir à toutes et à tous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde. I wish you a warm welcome to the State of the Je Africa vous souhaite Region la event, bienvenue à cet part événement of the World Bank, sur l'état de la région Afrique qui fait partie des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Je m'appelle Dominique Chimbakala. Et j'ai le plaisir d'être votre présentatrice aujourd'hui. Nous allons parler à des responsables politiques, des organisations de la société civile, des leaders, des jeunes de l'Afrique. Cet événement suit la publication du document Africa's Pulse, publié deux fois par an, et qui comprend des perspectives macroéconomiques sur la région. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon de la situation macroéconomique de la région à la lumière de l'augmentation des prix du pétrole et de l'alimentation. Et nous verrons comment la protection sociale peut stimuler l'économie africaine et récupérer les pertes entraînées par les diverses crises. Avant que nous commencions à proprement parler, je voudrais vous donner plusieurs manières d'interagir avec cet événement. D'abord, vous avez une interprétation en anglais, en français et en portugais. Nous avons des experts qui sont dans le chat et qui sont prêts à répondre à vos questions. Et puis, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux avec le hashtag AfricaSOR. Donc, and Africa, S-O-A-R. Et ensuite, vous pourrez nous trouver sur la page live.banquemondiale.org. Il est toujours temps de participer. Vous avez un sondage qui vous attend sur live.banquemondiale.org. Nous publierons les résultats à la fin de l'événement. Nous attendons avec impatience d'entendre votre son de cloche. Ousmane Diagana. Et sur ce, je donne la parole à Ousmane Diagana, vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, et Hafez Ranem, vice-président pour la région Afrique de l'Est et australe de la Banque mondiale. Bienvenue, messieurs, à vous. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir que de pouvoir intervenir dans ce groupe de discussion. Au nom de mes amis Hafez et Albert, je souhaite à tout le monde la bienvenue. Et en particulier, aux ministres qui rejoignent cette conversation importante. Je voudrais commencer par adresser mes félicitations à Albert et à son équipe qui ont fait de cette manifestation une tradition et l'un des points d'orgue de nos rassemblements annuels ou même semestriels, c'est-à-dire notre réunion annuelle et les réunions de printemps. Le sujet qui nous occupe ce matin c'est un sujet brûlant et en permanence pertinent pour l'Afrique. Il s'agit de renforcer la résilience économique par l'intermédiaire de programmes de protection sociale, ce qui est indispensable pour les économies africaines à une époque où tous les pays tentent de rebondir des multiples crises qui se sont enchevêtrées et qui continuent d'exister. Comme vous le savez, avant la COVID-19, nous avions constaté des progrès encourageants dans de nombreux pays africains. Néanmoins, les conséquences sociales et économiques de la pandémie ont été absolument dévastatrices et se sont manifestées sur de très nombreux fronts. Étant donné la période que nous vivons actuellement, il est indispensable de rester coordonné et d'agir de front. Nous savons que la protection sociale et les programmes en la matière ont toujours joué un rôle incontournable dans la lutte contre la pauvreté.
Nous avons donc des programmes importants dans presque chacun des pays en Afrique, dans le but de mettre en place déjà les programmes que nous avons élaborés et de le faire à grande échelle. Et pour faire cela de manière efficace, eh bien, je me tournerai vers les honorables participants à cette discussion, car vos conseils sont indispensables. Et sur ce, je me tourne vers mon ami Hafez pour que nous poursuivions notre discussion. Merci beaucoup, Ousmane et Dominique. Je souhaite la bienvenue à nos intervenants et aux participants, à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Ousmane l'a déjà dit, mais je voulais mettre en lumière le fait que l'époque est vraiment particulière pour nous en Afrique. Si je regarde l'Afrique de l'Est et les évolutions au cours des 3 dernières années, nous avions les locustes il y a 3 ans, en 2019, et après l'invasion de locustes, il y a eu la COVID. Et après la COVID, maintenant, il y a une sécheresse. Et outre la sécheresse, nombre de nos pays ont été frappés par des cyclones. Vous avez certains pays comme l'Éthiopie qui sont frappés par des sécheresses, pendant que le Soudan du Sud doit affronter des inondations. Toutes ces catastrophes naturelles, me dit-on, vont voir leur fréquence augmenter, hélas, en raison des changements climatiques. Et en même temps, il y a aussi des chocs anthropiques, par exemple les troubles civils. Il y a les troubles civils, je vous le disais, l'incertitude politique, des soulèvements, des coups d'État, et aussi des chocs anthropiques exogènes, comme la guerre en Ukraine, une guerre qui a entraîné une augmentation du coût du blé, du carburant ou encore de l'engrais, ce qui est venu s'ajouter à tous les autres chocs qui existaient déjà. Étant donné tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, nous nous devons de rendre nos économies plus résilientes face aux chocs qui se déclarent partout dans le monde. C'est absolument indispensable et j'attends avec impatience d'entendre tous nos intervenants de marque que nous avons ici, afin que nous trouvions ensemble des solutions pour l'Afrique pour rendre notre continent plus résilient face à ces chocs. Je vous remercie de nouveau et j'attends avec impatience nos débats. Sur ce, je donne la parole à Albert. Merci beaucoup, Hafez et Ousmane. Comme l'a dit Ousmane, ce rapport sur l'état de la région est une occasion de discuter de la situation économique de notre continent. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous livrer les principales conclusions du dernier rapport. Cette édition, elle comprend 5 messages principaux. Le premier, c'est que l'Afrique est sortie de la récession induite par la COVID en 2021. Selon nos projections, la croissance sera d'environ 4% en 2021, plutôt aura été, et la croissance positive du capital est rétablie sur le continent pour la première fois depuis 2016, ce qui est une excellente nouvelle. En 2022, nous allons assister à un ralentissement de la croissance pour atteindre 3,6%. La croissance par habitant est toujours positive, mais ce ralentissement de la croissance va accompagner la décélération de la croissance au niveau international et c'est la conséquence des différents chocs qu'Hafez évoquait, les chocs climatiques, le choc de la COVID qui continue de ralentir la production en Asie et de perturber sur ce continent
les chaînes d'approvisionnement. C'est important parce que l'Asie compte parmi nos principaux partenaires commerciaux. Mais il y a aussi les chocs liés à la dernière crise en Ukraine. Tous ces chocs vont entraîner une décélération de la croissance en Afrique. Le troisième message, c'est que malgré l'incertitude et les perspectives plutôt mornes au niveau international, certains pays africains vont avoir des opportunités, notamment les pays riches en ressources. Ils devraient, ces pays, pouvoir bénéficier de cette situation pour accélérer la croissance. L'Angola, par exemple, va pouvoir sortir de sa récession de longue date et connaître une croissance positive pour la première fois depuis 2016. Des pays comme le Nigeria vont voir leur croissance accélérer en 2022. Et des pays diversifiés comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin vont aussi voir leur croissance s'accélérer. Et il est important donc de remarquer que malgré les perspectives plutôt mornes que j'évoquais, il y aura des opportunités pour certains pays africains. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une croissance dans les prix des produits de base. Et ça, c'est le cas dans toutes les catégories de produits. Le choc ukrainien ne va donc pas avoir trop d'effet sur la croissance en Afrique, mais plutôt il va se manifester par l'inflation et par des troubles civils dans certains pays à mesure que l'augmentation des prix se répercute sur les populations, et en particulier les populations vulnérables. Voilà donc le principal risque que nous entrevoyons dans nos perspectives macroéconomiques des troubles civils, mais on va aussi assister potentiellement à un risque d'étranglement, c'est-à-dire une croissance limitée dans un environnement inflationniste. Que peut donc faire l'Afrique face à cette situation? Nous recommandons au pays de s'appuyer sur la politique budgétaire et la politique commerciale de manière volontariste. En matière de politique commerciale, ne reproduisons pas les erreurs du passé, ne limitons pas les commandes, les exportations de nourriture et de céréales. Au contraire, saisissons cette occasion d'approfondir les échanges commerciaux intra-africains et l'intégration commerciale de notre continent. Concernant la politique budgétaire, malgré les limites de l'espace budgétaire dont nous disposons, nous devons travailler ensemble pour venir en aide aux populations qui vont subir de plein fouet les conséquences de ces chocs. Cela doit passer par exemple par une réduction des droits d'importation sur les produits alimentaires et de mesures d'appui budgétaire que les gouvernements peuvent se permettre de mettre en place. Le deuxième front sur lequel nous devrons agir, c'est la politique monétaire. Nous devons agir avec intelligence sur ce front. Il va falloir mener une lutte agressive contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt ou veiller à ce que nous n'étouffions pas la croissance et la reprise de l'économie. Le troisième outil important, ce sera le recours à la protection sociale, qui est justement le sujet de ce rapport. Les pays doivent approfondir et élargir les mécanismes de protection sociale. Le cinquième message que je vous livrerai ici, c'est que la protection sociale doit évoluer pour être à la hauteur de ces chocs nouveaux et différents auxquels les économies sont confrontées. Nos systèmes de protection sociale doivent passer d'un modèle d'assistance sociale à un modèle de protection davantage adaptatif. Et c'est ainsi que nous pourrons protéger les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, mais aussi mettre en place des programmes de protection sociale qui peuvent créer des activités plus productives. Car à terme, la meilleure manière d'exercer la protection sociale, c'est l'emploi. Et j'arrête là mon propos, je vous rends la parole, Dominique.
Merci beaucoup, Albert, d'avoir dressé la toile de fond de nos discussions d'aujourd'hui. Il s'agit des conclusions toutes très intéressantes du rapport Africa's Pulse que vous pouvez retrouver sur notre page. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter Mohamed, un jeune garçon qui nous vient de Somalie. Il est élève à une école soutenue par l'ONG Save the Children en Somalie. Et il fait partie des enfants qui font partie de ceux qui ont contribué au rapport sur la crise climatique. Outre le changement climatique, Mohamed parle sans détour de l'importance de l'éducation dans sa communauté et pour les enfants dans son école. Je vous propose que nous écoutions ensemble Mohamed. Problèmes encore, un manque de stabilité parmi d'autres troubles. Merci Mohamed d'avoir véhiculé votre message à notre égard aujourd'hui. Je voulais simplement ajouter quelques éléments complémentaires. Quant à la situation de la guerre en Ukraine, évidemment, ce contexte de pandémie, il faut vraiment dire que les deux dernières années ont provoqué de grands troubles et vraiment un contexte houleux, difficile. Et par rapport à l'économie et le futur de l'Afrique, il va falloir évidemment naviguer cette période houleuse et il conviendra de se doter des mesures pour ce faire. Alors j'ai le grand honneur de présenter le ministre de l'économie, Houal Madani, et une chaleureuse bienvenue à vous. Et Mario Caetano João, le ministre de l'économie et du plan de l'Angola, merci de votre présence. Le ministre des Affaires sociales du Cameroun, bienvenue à vous. Et Hafez Gamen et Ousmane Diagana vont rester avec nous pour répondre aux questions et faire des commentaires en réaction aux propos des uns et des autres. Alors Mario Caetano João, une question pour vous. Quid du risque de la stagflation, c'est-à-dire stagnation plus inflation? Cela représente un certain nombre de contreparties entre risques et évidemment d'autres effets plus positifs. Et en ce moment, les taux d'intérêt baissent. Et lorsque l'on constate évidemment la hausse des prix, comment maintenir les attentes et répondre à ces dites ententes et comment évidemment renforcer la crédibilité des pouvoirs publics? Et bonjour à vous tous. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. Voilà en effet des éléments qui se contredisent, qui se contrecarrent, mais il convient d'obtenir un juste équilibre et de maintenir l'inflation autant que faire se peut à un niveau plus bas. Et il convient évidemment en même temps de bien comprendre les mécanismes de transmission ainsi que l'importance que de bien gérer les attentes par rapport à l'inflation. Alors, c'est un processus
difficile, mais il conviendra de se pencher sur cette question parce que cela a une influence d'une manière ou d'une autre sur les investissements qui arrivent dans nos pays ou non. Alors, il convient aussi de bien saisir l'inflation et tout ce que cela comporte, évidemment aussi par rapport aux attentes, et maintenir évidemment une stabilité, une inflation plus stable, basse. Par contre, lorsque l'on s'écarte des cibles au niveau des banques centrales, il devient très difficile de faire appliquer ces mesures et évidemment, là, l'inflation repart. La banque centrale, ici en Angola, eh bien, doivent évidemment éviter de provoquer ou créer de telles attentes et par rapport à l'inflation surtout, et les objectifs y afférents. Alors nous avons décidé de nous doter de mécanismes plus souples pour gérer le capital et le fonds propre, les fonds propres et les crédits octroyés, et en se munissant d'une approche double au niveau des stratégies et réformes politiques, disons avec des taux d'intérêt doubles aussi. Car d'une certaine manière, cela pourra aussi contenir l'inflation et la maintenir à un niveau acceptable. Et donc des politiques idoines à adopter, évidemment, mais nous constatons par la même occasion que quelque 60% de notre inflation provient du carburant, de l'essence, et donc nous devons tenir compte de cela, évidemment. En tant que pays producteur, il a fallu considérer deux éléments qui se contrecarrent et qu'il convient de compenser l'un par rapport à l'autre. Des activités du secteur privé, mais aussi assurer les coûts des denrées alimentaires et les maintenir également à un niveau stable. Et si l'on veut avoir la sécurité alimentaire, et évidemment avec ce taux d'intérêt à quelque 60-70%, quid des autres activités et commerce et quid des marchés. Donc cette approche double nous aide justement à gérer la politique monétaire et nous préparer quant à la hausse des taux. Je vous remercie. Merci, merci infiniment. Je voudrais poser une question au ministre du Bénin, ministre de l'économie. Alors les taux d'intérêt sont en hausse dans le monde entier et ce, dans le cadre d'une politique monétaire qui se resserre. Pouvez-vous m'entendre? Absolument, merci. Alors, je demandais, évidemment, dans un contexte où les taux d'intérêt s'envolent et augmentent et quid des économies du monde, évidemment, il y a des fuites de capitaux et des souverains et c'est un stress important. Évidemment, dans ce cadre d'inflation en hausse des politiques monétaires resserrées, qu'en pensez-vous des risques pour votre propre pays et quid des mesures qu'il convient d'adopter? Mon collègue de l'Angola tout à l'heure, dans cette situation, la vraie cause de l'inflation est liée à un choc de l'offre. Alors, le premier réflexe quand il y a inflation, c'est on remonte le taux d'intérêt, c'est quasi mécanique, mais dans le cas d'espèce, c'est lié à un choc de l'offre et ça concerne beaucoup plus les produits liés à l'énergie et les produits de première consommation, les produits alimentaires ou liés à l'agriculture. Dans ce contexte, l'approche de l'Angola, qui est une approche duale, qui est de dire pour certains types de produits, on peut contrôler les financements liés à ces produits avec des taux d'intérêt qu'on maintient, et pour l'autre, on ajuste les taux d'intérêt. Donc, cette flexibilité dans la politique monétaire est une réalité que nous trouvons très pragmatique. Et c'est ça qu'il faut adopter comme principe. Pour le cas du Bénin, qui fait partie de l'UEMOA, donc au niveau du Bénin, nous n'avons pas une indépendance de politique monétaire, mais nous avons une communauté de politique monétaire avec les 7 autres pays de l'UEMOA. Et au niveau de l'UEMOA, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'observer semaine par semaine l'évolution de la situation pour décider. Pour l'instant, nous avons gardé les taux d'intérêt stables. Dans les oui, ce qui fait que pour notre zone, nous n'avons pas encore agi avec l'instrument de taux d'intérêt.
Par contre, sur les 8 pays, il n'y a que 3 pays qui ont accès aux marchés internationaux, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, qui sont les 3 pays qui, eux, sont directement impactés par la hausse des taux au niveau de l'international, au niveau des grands pays, donc au niveau des marchés financiers. Et là, ça devient un issue. Quand on prend un pays comme le Bénin, pour qui la moitié de ses financements vient hors de son marché domestique, le changement de politique monétaire au niveau global avec la montée progressive des taux d'intérêt devient un élément qui nous préoccupe parce que ça va complexifier et rendre plus cher notre accès au marché. Mais je dois souligner que la bonne nouvelle ici, c'est que le Fonds monétaire international a été très sensible à ça. Le Bénin, la semaine passée, vient de conclure un programme qui justement vise à donner une alternative, à aider le Bénin à avoir une alternative à l'accès au marché financier à court terme. Et donc, nous avons pu, grâce en fait, au programme en cours, avoir un mécanisme pour gérer la situation pour l'année 2022. Et nous observons l'évolution des taux. Il est évident, et vous avez raison, que si cette politique de hausse des taux se poursuit, ça va complexifier l'accès au financement des marchés pour nos États. Thank you, Mr. Ouadani. Another question to Pauline Irène Nguyen. Merci beaucoup, Monsieur Ouadani. Madame la ministre des Affaires sociales du Cameroun, alors l'une des manières justement de contrecarrer ces problèmes est de renforcer la résilience économique. Et quelles sont les activités que vous préconisez pour la transformation économique de votre pays et par la même occasion prendre à bras le corps le défi de l'emploi? Évidemment, des milliers d'Africains sont affectés et ils doivent en même temps rentrer dans la population active et le marché de la main-d'œuvre en même temps. Mrs. Nguyen, préconiseriez-vous, Madame Nguyen? Est-ce que vous m'entendez? You are on mute, Miss. Ah, vous êtes en sourdine, Madame le ministre. Vous avez désactivé votre micro. Nous ne vous entendons pas. Voilà. Merci. Vraiment désolé. Je vous prie de m'excuser. Merci, Madame la modératrice, de nous avoir associés à cet important exercice. Alors, vous avez absolument raison. La zone de turbulence économique que traverse le monde et en particulier l'Afrique appelle la mise en place des politiques et programmes orientés vers la résilience et la transformation économique. C'est dans ce sens que le Cameroun vient de se doter d'une nouvelle stratégie de développement à l'horizon 2030, qui est la SND 30, qui s'appuie sur 4 piliers, dont les 3 premiers d'abord sur la transformation structurelle de l'économie. Et dans un deuxième temps, c'est le développement du capital humain et du bien-être. Et troisièmement, c'est la promotion de l'emploi et de l'insertion économique. Le quatrième pilier, quant à lui, étant consacré à la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. En ce qui concerne la transformation structurelle de l'économie, le gouvernement entend poursuivre et renforcer les mesures visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel. Donc, il y a l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, en accordant un accent particulier à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Pour ce qui est de la promotion de l'emploi et de l'insertion socio-économique, l'objectif est de favoriser et de faciliter l'accès à l'emploi, un emploi décent pour un grand nombre de jeunes. Ceci à travers l'élargissement et la valorisation des opportunités de création d'emplois dans l'économie. C'est le cas notamment avec l'appui aux micro-projets, l'octroi des subventions en investissement, l'attribution des appuis aux initiatives d'incubation dans les universités et grandes écoles. Il y a également la structuration et l'installation en emploi indépendant des acteurs informels dans le secteur de l'économie numérique ou encore le financement des projets de jeunes dans le cadre du plan triennal spécial jeunes qui a été décidé par le chef d'État. Alors, la SND 30, qui est notre stratégie, promet en effet la mise en œuvre des initiatives visant une véritable inclusion socio-économique par le développement du capital humain, ainsi que de meilleures opportunités économiques pour les jeunes et les autres catégories des personnes socialement vulnérables. Le projet filet socio-adaptatif et d'inclusion économique
que nous avons engagée avant le temps dans notre pays est une stratégie gouvernementale pour promouvoir l'inclusion économique des jeunes, y compris les déplacés internes, et de prévenir une augmentation potentielle des tensions sociales et des conflits. Presque 70 millions de dollars y ont été dédiés, et c'est dédié aux jeunes des zones urbaines en mettant l'accent sur les jeunes vulnérables du secteur informel. On peut également dire, si vous en avez convenance, que le ministère des Affaires sociales entend continuer la mise en œuvre de sa stratégie de promotion de l'entrepreneuriat social, parce que c'était une stratégie que nous avons mise en place ici dans notre ministère à travers un certain programme que nous avons appelé un programme d'appui à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des personnes vulnérables, en abrégé PERPEV, en partenariat avec le Fonds national de l'emploi. C'est un programme qui vise à offrir aux personnes handicapées, aux ex-enfants de la rue, aux populations autochtones et aux déplacés internes, y compris les femmes, des microcrédits en vue de leur installation en auto-emploi, à leur faciliter l'accès à l'emploi salarié et à ouvrir aux jeunes issus de ces catégories défavorisées des perspectives de formation professionnelle. C'est un programme pour lequel nous entendons également solliciter dans les prochains jours l'ouverture d'un dialogue avec la Banque mondiale en vue de son financement. Je vous remercie. Thank you, Madame Minister. Now, another question to Madame la Ministre. Une question à l'égard de notre vice-président régional Afrique de l'Est et Austral, Hafez Ghanem. Alors, ces régions ont enregistré un certain nombre de progrès dans le cadre des réformes économiques, et cela permet de stabiliser les économies de cette région, rétablir au lendemain de la COVID-19 et évidemment renforcer la résilience aux effets du changement climatique. Alors, quelles sont les politiques qui peuvent être adoptées ou consolidées et renforcées afin de mieux gérer la volatilité des prix des matières premières et des denrées? Merci beaucoup, Madame. Comme Albert l'a expliqué au début de cette discussion, l'impact des chocs des prix provoqués par la crise, la guerre en Ukraine, eh bien, cela varie d'un pays à un autre, et au niveau macroéconomique surtout. Des pays tels que l'Angola, et Monsieur le ministre Mario est présent, là, au niveau macro, cela n'est pas trop problématique parce que le pays est exportateur de pétrole et les produits pétroliers, eh bien, leurs cours sont en hausse. Et là, il convient de compenser ce par rapport à l'importation des engrais et des denrées alimentaires, des aliments. D'autres pays qui ne sont pas exportateurs de minerais et matières premières sont plutôt des importateurs nets de blé, nous le savons, et d'engrais, et tout particulièrement provenant de Russie et d'Ukraine également. Et là, ce sont des pays qui sont doublement frappés au niveau macroéconomique et d'ailleurs reçoivent de plein fouet ces tensions et évidemment en souffrent. Mais l'impact socio-économique d'un point de vue social, évidemment, est le même dans tous les pays parce que, évidemment, la hausse des prix du pétrole rend difficile le quotidien. Et évidemment, au niveau des importations, cela est problématique. Donc, les politiques qu'il convient d'adopter, et ce, pour protéger les populations les plus vulnérables, marginalisées, et celles qui reçoivent le plus grand impact et le ressentent de la hausse des prix des matières premières, et surtout des denrées alimentaires, eh bien là, la protection sociale devient capitale. Et cela au-delà du simple transfert d'espèces, comme l'a dit Madame la ministre du Cameroun. Là, la protection sociale permet d'intégrer des programmes
qui viennent appuyer la création de micro et petites entreprises et aussi appuyer la création d'emplois pour les jeunes. Voilà les tout premiers domaines qui nous intéressent ou qui convient d'examiner pour les interventions politiques idoines. Mais en même temps, donc, il convient d'adopter des régimes de protection sociale adéquats et surtout diversifier les économies afin de les rendre plus résilientes aux diverses crises et chocs. Et aussi pour que ces pays, ces économies soient moins dépendantes des fluctuations au niveau des marchés internationaux. Il conviendra aussi d'augmenter la création d'emplois pour tous les jeunes dans tout le continent africain. Et d'ailleurs, des millions d'emplois devront, des millions de jeunes intègrent la population active, le marché de la main-d'œuvre, chaque année. Et donc, où faut-il investir ? Dans l'infrastructure, évidemment, en premier lieu. Et d'ailleurs, 30% d'Africains sur le continent africain, seulement 30% des Africains ont accès à l'électricité et à l'énergie et très peu de pays ont accès à Internet. Il nous faut absolument fournir un plus grand accès à Internet et surtout en renforçant l'activité technologique, évidemment en mettant l'accent sur le numérique, la digitalisation et investir évidemment en même temps dans le capital humain. Éducation et santé. Je le répète encore et encore, toutes les analyses et recherches que j'ai examinées montrent une étroite corrélation entre l'autonomisation des femmes et l'amélioration du capital humain par le biais de l'éducation des filles, surtout afin de créer aussi davantage d'opportunités et évidemment une formation afin que les jeunes filles ou femmes et autres puissent être dotées ou lancer leur PME. Et il conviendra également d'adopter des stratégies qui permettront de baisser les prix. Évidemment, dans un contexte de pleine compétitivité, c'est là où nous devons justement mettre l'accent sur les marchés des TIC, de la technologie, de l'informatique et évidemment de la communication. On le voit en Afrique, l'accès à l'Internet coûte bien plus dans des pays d'Afrique et surtout pour des pays en développement. Cela est très coûteux et nous devons vraiment nous pencher sur ce problème. Protection sociale, investissement dans les infrastructures essentielles et surtout avoir des politiques bien avisées et idoines, diversification de l'économie. Et enfin, il est très important de rendre nos pays plus résilients aux chocs économiques et aux impacts des crises et du changement climatique. Alors, je me demande pourquoi l'Afrique devrait être si dépendante d'importations de blé depuis l'Europe de l'Est. Des pays tels que le Soudan, la RDC, la Tanzanie ont des superficies énormes de terres arables. Et donc, ce sont des capacités énormes de pouvoir produire des cultures et nourrir tout le continent africain. Nous devons donc mieux intégrer nos économies afin d'être en mesure de développer l'agriculture. Et si nous le faisons, nous renforcerons la sécurité alimentaire au bénéfice de notre population. Mais il faut aussi parler des industries manufacturières et des services. Le marché africain, l'accord de libre-échange africain, crée un marché qui représente à peu près la même taille que l'Inde. Et nous devrions avoir cela en ligne de mire, un grand marché africain qui sera porteur d'opportunités pour les entreprises africaines et pour les jeunes africains. Le but étant de rendre l'Afrique moins vulnérable aux chocs exogènes. Et donc, il ne suffit pas de signer l'accord de libre-échange, qui serait certes une première étape importante, mais il faut aussi investir dans l'interconnexion entre les pays africains, les lignes de transport pour faciliter le commerce. Il faut améliorer aussi la gouvernance frontalière au point de contrôle pour que la circulation des marchandises et des personnes soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus aisée.
Voilà, Dominique, comment je pense que nous pouvons rendre nos pays bien plus résilients face aux chocs comme celui que nous connaissons actuellement, entraîné par la guerre en Ukraine. Et en même temps, je dois souligner le fait que nous devons aussi investir dans l'adaptation au changement climatique. En effet, les chocs climatiques vont continuer de se déclarher. Nous devons donc investir dans la résilience de notre agriculture et de nos systèmes alimentaires, mais aussi investir dans nos infrastructures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ghanem. Je note qu'il reste beaucoup de choses à faire, en particulier dans le domaine des infrastructures. Une question pour vous, Monsieur Diagana. Avant la crise en Ukraine, les chocs climatiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement augmentaient les prix des produits alimentaires de base. Avec cette crise, le prix de ces produits a augmenté, de même que l'insécurité alimentaire. Outre les réponses d'urgence, quelles sont les mesures que vous prévoyez ou que vous mettez déjà en place en Afrique de l'Ouest et centrale en vue de renforcer la résilience dans les systèmes agroalimentaires ainsi que la production agroalimentaire? À bien résumer ce qui doit être fait en Afrique de façon générale et bien sûr y compris l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale. Et ce que Hafez a dit, c'est exactement ce qui se fait dans le cadre de notre partenariat avec les pays, je dirais de manière systématique. Aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille global de la Banque mondiale dans ces pays, donc avant cette crise en Ukraine, on a à peu près 100 milliards de dollars. En Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est à peu près 44 milliards de dollars. Donc, ceci, c'est en faveur des programmes dans les secteurs clés qui portent la croissance et qui est là pour essayer de bâtir la résilience, lutter contre les vulnérabilités, accompagner la transformation structurelle des économies par la combinaison d'un appui aux réformes et d'un appui au programme d'investissement. Donc, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur du développement humain. Mais je dois dire que le rythme d'exécution des programmes en Afrique est généralement lent. Donc, peut-être sur ce montant que j'ai mentionné, les montants non décaissés est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Ce qui veut dire que les opportunités qui existent pour transférer des ressources supplémentaires au pays et de transformer ces ressources-là en actions concrètes, malheureusement, est faible. Mais je dois aussi dire qu'il y a un accompagnement que la Banque mondiale fait dans les périodes de crise. Et ce sont des principes que je vais appeler les principes des 3V. La vitesse, le volume et je dirais la voix, voice en anglais. La vitesse, c'est notre capacité de répondre très rapidement, comme on l'a fait, par exemple, dans la dernière crise avant celle-là, qui est la crise de la COVID-19. Très rapidement, la Banque mondiale a mis une enveloppe d'à peu près 160 milliards de dollars, dont à peu près 45 milliards sont allés vers les pays africains, et est transformée en des programmes qui ont contribué à protéger la vie des populations, à protéger le moyen de subsistance, mais en même temps à les accompagner pour se reprendre et reprendre leur économie de manière rapide. Le volume, j'ai déjà donné le montant, c'est extrêmement important, mais la voix aussi est extrêmement importante. La banque fait l'advocacy, elle parle en disant l'Afrique, c'est le continent de l'espoir, mais même si aussi c'est le continent des difficultés. Et il le fait sur la base d'études régulières que nous faisons et qui sont là de façon à informer les programmes que d'autres partenaires peuvent financer. Et qui sont là également, ces analyses, pour sensibiliser les populations. Et ça a contribué de manière significative, n'est-ce pas, à tous ces financements de programmes de vaccins et de programmes de renforcement des systèmes sanitaires dans la période de la COVID-19 pour nous limiter que c'est l'exemple de cette dernière crise. Maintenant, pour revenir de manière spécifique
à votre question. Vous savez, les conditions initiales des pays ne sont pas les mêmes. Et également, la structure des économies en Afrique, ce n'est pas les mêmes. Il y a des pays qui étaient en situation de conflit, qui sont en situation déjà de conflit, avec des instabilités sur plusieurs points. Je peux citer les pays du Sahel. Et il y a des pays qui sont structurellement déficitaires pour ce qui concerne la disponibilité des aliments, même en situation de paix, au regard des problématiques posées par le changement climatique et d'autres défis. Hafez en a rappelé beaucoup. Mais il y a des pays également qui sont des pays dont l'économie est essentiellement basée sur la production et l'exportation de matières premières. Et ça peut être des matières premières agricoles, comme ça peut être des matières premières minières ou pétrolières. Donc, et en tout état de cause aussi, nous savons que généralement, il y a des problèmes de gouvernance, ce qui fait que ça pose souvent des problèmes de transformation rapide de l'économie et de créer des conditions de mieux-être pour les populations. Donc, au regard de cela, et Albert l'a très bien dit, même dans cette situation de crise, ce que nous disons, c'est véritablement de créer, d'utiliser les espaces qui existent pour des réformes d'ordre politique, en particulier de l'amélioration de la gouvernance, mais en même temps, des réformes qui permettent au secteur qui crée la richesse de se développer davantage, de façon à faire en sorte que les opportunités liées à la crise puissent être réellement exploitées. Okay. L'Afrique est un continent riche. Les surfaces cultivables sont importantes. L'eau ne fait pas nécessairement défaut en Afrique. Les plus grands courants d'eau sont en Afrique. Le savoir ancestral des Africains en matière de production dans le secteur agricole est avéré. Mais pourquoi aujourd'hui, au moment où, parce que tout simplement deux pays sont en guerre, l'Afrique ne peut pas créer les conditions pour nourrir lui-même et même contribuer à la nourriture du monde? Je crois que ça doit être un éveil de conscience pour nous tous. Et la Banque mondiale doit jouer un rôle à ce niveau-là. Donc, nous saisirons véritablement, en accompagnant les pays, cette opportunité pour dire investissons de manière massive dans les secteurs de l'agriculture. L'économie, la diversification de l'économie en Afrique, lorsqu'on le parle, on doit d'abord le voir sous l'angle de comment utiliser le secteur de l'agriculture comme un vecteur, n'est-ce pas, de développement global. Ça, c'est le deuxième, le secteur de l'énergie, le secteur gazier, etc. Les richesses sont importantes. Je sais qu'il y a des défis quand on met ça en phase avec d'autres débats liés au changement climatique, mais l'Afrique doit porter sa voix et des institutions de développement comme les nôtres doivent les accompagner en disant que puisque vous êtes doté au niveau de certaines matières premières, c'est le moment de vous accompagner à les transformer à travers des financements massifs, mais également à travers un renforcement de capacités pour que ces financements soient mieux utilisés. Mais bien entendu, il faut répondre aussi au présent. Le présent, malheureusement, est que des familles et donc des individus peinent à nourrir, à trouver le moyen de subsistance. Et c'est la raison pour laquelle ces programmes de protection sociale, ces programmes de filets sociaux sont cruciaux. Et puisque la crise est aussi liée à l'histoire de l'Afrique, ces dernières années, on a développé de manière rapide et avec beaucoup d'innovation des mécanismes de protection sociale et accompagné des projets de filets sociaux dans beaucoup de pays. Madame la ministre du Cameroun a parlé tantôt du programme de filets sociaux au Cameroun. On a la même chose au Sénégal. On a la même chose au Bénin. On a la même chose au Niger. On a la même chose au Tchad. Et on va continuer à faire ce genre de programme. Mais pour finir, mon propos, c'est de dire qu'on ne doit pas nous limiter à ces programmes qui sont de nature à répondre à des situations de court terme et à le faire
à réaction. Il faut créer les conditions de répondre avec anticipation, avec proactivité à l'échelle. Et je pense que c'est ça qui permettra à l'Afrique non seulement de répondre aux préoccupations du moment, donc du quotidien, mais également à être sur une voie durable de la croissance et du développement, qui sont des conditions et bien sûr préalables pour que la paix, la stabilité soient aussi les règles en Afrique, parce que malheureusement, c'est aussi une région de conflits et ces conflits doivent s'estomper. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Diagana. Un grand merci, Monsieur Diagana, de cette démonstration. Nous remercions également l'ensemble de nos intervenants lors de ce débat. N'oubliez pas, auditrices et auditeurs, de participer à la discussion sur Internet. Le hashtag, c'est AfricaSOAR. Et avant de passer au prochain sujet de discussion, nous allons à nouveau entendre des voix du terrain. Nous allons voir comment les systèmes de protection sociale viennent en aide aux personnes défavorisées. Nous allons visionner tout de suite un clip qui nous vient du Togo, qui nous donne un exemple d'une communauté qui a tenté ensemble de résoudre le problème de l'absentéisme et du déficit d'apprentissage en investissant dans les cantines scolaires et le capital humain des enfants. Regardons ça ensemble. Voici donc qui illustre l'importance du travail au niveau des communautés, des systèmes de solidarité en vue de renforcer la résilience. Ce qui nous emmène vers notre prochain sujet, adapter les futurs programmes de protection sociale en vue de renforcer la résilience en Afrique. Je souhaite la bienvenue à nos intervenants. Irène Bourki-Batsa, ministre des Affaires sociales. Dominique, oui, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, je voulais juste dire quelques mots avant que nous passions au sujet suivant, mais vous n'avez pas vu ma main levée. Je vous prie de m'excuser. J'aimerais intervenir brièvement avant que nous passions au deuxième sujet. Oui, mais je vous prie d'être concis, car malheureusement, le temps passe. Tout a été dit, mais il est important de réagir sur deux sujets. Le premier, tout à l'heure, Albert l'a très bien indiqué. Donc, 2021, on a noté une reprise avec une croissance de 4% en Afrique. Je voulais rajouter que c'est une croissance qui a été beaucoup plus technique qu'inclusive. Quand on a chuté fortement en 2020, la reprise, elle était beaucoup plus technique, pas si inclusive que ça. La preuve, dans le rapport de l'Agence française de développement sur l'Afrique en 2022, on a noté qu'en 2021, il y a eu 33 millions de nouveaux pauvres en Afrique. Et ça, c'était ça que je voulais indiquer, et que chacun ait ça à l'esprit. C'est-à-dire que, certes, l'Afrique a connu un rebond qui a été beaucoup plus technique. Alors, et c'est pour ça que, comment on fait quand on a 33 millions de personnes qui n'étaient pas pauvres, qui sont devenues pauvres? Il faut, et bien entendu, les outils ont été indiqués tout à l'heure par la plupart des intervenants, Ousmane, Hafez, Albert, mais je veux insister sur le fait que l'outil social protection qu'on va mettre, il faut avoir l'esprit que quand des gens qui n'étaient pas pauvres sont devenus pauvres, les outils de filets sociaux que vous devez leur donner doivent avoir à cœur une démarche productive. Ce n'est pas comment faire pour que les gens tiennent,
c'est comment on fait pour les ramener vers la production, qui soient des facteurs, des acteurs de la production de richesse dans le pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment avoir en cœur. Et un deuxième commentaire qui me semble très important, Albert l'a indiqué tout à l'heure, 2022, il y a des opportunités pour certains pays. Il a souligné pour ceux qui, notamment, exportent, compte tenu de la montée des prix, notamment de pétrole, etc. Je voudrais dire qu'en fait, que c'est une opportunité pour tous les pays d'Afrique. Et quand on a bien écouté Hafez et Ousmane, tout le monde doit se dire qu'il faut continuer l'agenda, les quatre piliers de ce qui doit être la préoccupation de l'ensemble des économies africaines. La première, la diversification, on l'a dit. La deuxième, les réformes fiscales. L'Afrique, aujourd'hui, est le périmètre où il y a le moins de prélèvements, le moins de mobilisation de ressources domestiques, mais qui a le plus de besoins d'investissement. Donc, les réformes doivent continuer malgré la crise, quelle qu'il soit. Troisième chose, c'est le capital humain. Et ma collègue du Cameroun l'a dit, tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle pour permettre d'avoir des personnes qui sont adaptées aux besoins de la production de richesse, soit là, troisième pilier. Et enfin, quatrième pilier, c'est l'intégration régionale. Aucun pays ne se développera en restant seul. Donc, ces quatre piliers qui, pour moi, sont importants, on n'arrête pas de le dire, et ça a été souligné et insisté par Hafez et Ousmane, il faut que nos pays, nos dirigeants, gardent en tête ces quatre et qu'on continue à le faire. C'est dommage qu'aujourd'hui, certains pays ont encore leurs frontières fermées, alors qu'aujourd'hui, après la COVID, c'est ouvert. Et donc, la nécessité de mettre en application la zone de libre-échange, de diversifier nos partenariats et de mieux intégrer nos économies doit être une préoccupation. Ça me semblait important. En tant que ministre des Finances, je ne pouvais pas être là et ne pas le dire. Merci beaucoup. Et désolé d'avoir perturbé votre... No, that was not an interruption, because eventually that was... Ce n'était pas vraiment une interruption, parce que vraiment, cela nous permet de passer sans transition à notre deuxième table ronde, et évidemment, l'adaptation du programme de protection sociale pour renforcer la résilience en Afrique. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous nos intervenants. Alors, Zainabou Hadari, directrice de cabinet adjointe Primature Niger, Bellarimo Gelambi, directeur général de l'Institut local du développement en Angola, et James Odior du Kenya, ancien directeur général de l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse au Kenya. Bienvenue à vous tous. Pour rappel, pour cette table ronde, je vous prie vivement d'être concis, bref, et aussi dans les réponses aux questions que je vais poser, parce que le temps court et est essentiel. Alors, première question pour Madame Hadari. Avez-vous présenté de nouveaux programmes de protection sociale pour contrecarrer les effets négatifs de la pandémie et d'autres problèmes sur les pays, sur les plus pauvres et sur l'économie dans le cadre de vos programmes? Merci pour l'opportunité. En effet, donc, avec la COVID, et la particularité du Niger, qui est quand même un pays du Sahel, qui est confronté à toutes les vulnérabilités, à des chocs récurrents, aux effets justement donc aussi donc de changement climatique. Par rapport donc à la protection sociale, il y a toute une nouvelle orientation qui s'est imposée face à cela. Donc cette orientation, elle consiste à renforcer justement donc les interventions basées sur les filets socio-adaptatifs habituels qu'on connaissait et qui étaient vraiment concentrés sur des activités de transfert d'argent au profit donc des ménages vulnérables et à insérer donc une innovation en mettant l'accent sur la production des métiers des vulnérables qui emploient donc l'essentiel de la force productive du pays. Donc c'est un petit changement de paradigme par rapport donc à la démarche des programmes de filets sociaux habituels qui portent plus sur les ménages vulnérables et non les métiers. Donc, à cet effet, l'objectif est de mettre en place un système de prévention qui permet de soutenir certaines activités économiques en cas de choc, comme celui justement de la COVID-19. Et comme vous le savez, les métiers de l'agriculture, de la restauration, de l'artisanat, du transport, pour ne citer que cela, ont été fortement affectés par la crise de la COVID. Et la plupart donc de ces métiers sont animés par des femmes, par des jeunes, et souvent ils ont été contraints de vendre leurs outils de production, c'est-à-dire donc le capital,
pour pouvoir donc satisfaire certains donc besoins de consommation ou de soins. Et c'est pour cela que dans l'axe 7 de la déclaration de politique générale du Premier ministre, il a été clairement intitulé « Solidarité et inclusion socio-économique » pour rappeler justement donc ce changement donc de paradigme et la nécessité de pouvoir prendre donc en charge cette approche centrée donc sur les métiers et sur les secteurs productifs. C'est surtout cela donc qui est, disons, le changement qui a été apporté dans la conception, l'organisation donc du système de protection sociale et qui va l'influencer certainement. Bien évidemment, nous ne remettons pas, disons, en cause totalement l'apport que nous ont apporté l'approche basée donc sur les filets sociaux qui nous ont quand même permis d'accroître donc les acquis de la mise en œuvre donc de la protection sociale au Niger avec l'appui des partenaires, notamment donc de la Banque mondiale. Mais la nécessité de passer à un changement, à une innovation, a été d'ailleurs soutenue par la plupart donc des intervenants ici et qui sont justement donc des autorités de la Banque mondiale. Donc cette nouvelle vision, nous la partageons amplement et nous sommes justement donc dans l'optique de mettre en œuvre de rester dans cette logique et de la mettre en œuvre. Thank you very much. Now a question for Mr. Merci, Madame le Ministre. Alors, une question à l'égard de Monsieur Jelambi de l'Angola. Dans votre pays, quel est le rôle que jouent les programmes de sécurité sociale, de protection sociale et surtout les filets de sécurité sociale? Comment avez-vous adapté vos programmes dans votre contexte pour encore aller plus loin dans le sens des populations les plus affectées aujourd'hui? Nous, au niveau de notre pays, avons en ce moment différents programmes. Dans votre pays, en ce moment et en ces temps, nous avons divers programmes complémentaires et de protection sociale surtout. Et l'un de ces programmes, en fait, sont éminemment importants. Et l'un d'entre eux est particulièrement important, car il tente de réunir quelques démarches, trois approches. Tout d'abord, le transfert d'espèces aux familles, 1,6 million de familles, surtout, et parallèlement, et par rapport à cette dimension, et là, à ce stade-ci, là, quelques 140 000 familles pour bénéficiaires, mais il existe aussi une autre dimension, et là, c'est l'inclusion dans le tissu productif de l'économie, et c'est l'un des piliers des programmes de protection sociale. Et simultanément, se doter d'une vision à plus long terme, car à ce stade-ci, il convient également de renforcer, d'améliorer notre système de registre social, et cela permettra au pays de se préparer, d'être prémuni et être plus robuste afin de pouvoir faire face aux situations difficiles et surtout pour les ménages et familles qui se trouvent à un niveau de pauvreté et de vulnérabilité accrue. Alors, tout au long de cette période, nous avons également fait des progrès en matière de processus de numérisation et c'est une vaste dimension, évidemment, dans le cadre de ces programmes de protection sociale, nous avons commencé à davantage favoriser les programmes, les activités de numérisation, les technologies et surtout pouvoir les offrir à des familles en situation, en niveau de pauvreté plus important. Et donc,
grand nombre de particuliers ont à présent pu ouvrir leur compte en banque. Et il me semble qu'il est intéressant de mentionner ceci ici, d'élargir le réseau, les réseaux au niveau des municipalités. Cela entend une action sociale auprès des populations dans des petites installations et surtout dans des régions les plus pauvres, mais aussi en ayant un regard tourné vers le long terme, vers l'avenir à long terme. Et cela veut dire des actions régulières, ponctuelles, sporadiques, et là, il conviendra de structurer un système qui permettra aux familles, tel que l'on a dit tout à l'heure, permettant aux familles, justement, de se hisser hors de leur état actuel de pauvreté afin de leur permettre ainsi d'être en situation plus stable et pouvoir avoir accès à l'emploi. Merci, ministre Djalambi, monsieur Djalambi. Autre question pour vous qui faites face à des problèmes de sécheresse et vous qui êtes monsieur James Oduor, ancien directeur général de l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse, au Kenya, pardon. Que pensez-vous du renforcement de la résilience des groupes les plus vulnérables du point de vue social pour que ceux-ci puissent mieux faire face aux chocs futurs et renforcer leur résilience? Alors, j'espère que vous m'entendez. Pour répondre à ces questions, je vais vous donner un exemple de la situation aujourd'hui au Kenya, et ce aussi par rapport à la sécheresse. Il y a tant d'activités de protection sociale en ce moment, mais ici, je souhaiterais me concentrer sur un des programmes de transfert d'espèces et de filets de sécurité, et ce en matière de diverses activités de protection sociale. Et évidemment, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je serai bref. Premièrement, au Kenya, nous avons constaté quels sont les exemples les meilleurs, surtout pour pouvoir atténuer les impacts du changement climatique et diminuer la sécheresse. Donc, ce sont des programmes de protection sociale qui englobent ou qui contiennent des transferts d'espèces pour protéger les ménages dans les comtés les plus pauvres, les plus vulnérables, et où justement l'impact de la sécheresse peut s'avérer très grave. Dans ces pays, dans ces régions où ces programmes sont exécutés, eh bien là, on commence à lancer des activités d'inscription et des registres pour les personnes et surtout pour permettre aussi en même temps l'ouverture de comptes en banque pour les familles et surtout sur la base des informations englobées dans les registres contenant diverses informations sur ces ménages. Et ce sont des programmes qui durent déjà depuis pas mal de temps et depuis d'ailleurs 2009. Ce programme particulier a été évalué et suivi tant de fois qu'il a été bel et bien confirmé que les transferts d'espèces permettent aux bénéficiaires les plus pauvres de faire face aux carences et ce aussi aux problèmes de sécurité alimentaire ou d'insécurité alimentaire et surtout pour qu'ils puissent se doter de stratégies pour prendre en bras le corps ces problèmes, ou mieux y faire face, surtout pour ceux qui n'ont que peu d'avoir par ces temps difficiles. Et donc, les programmes de protection sociale dont je parle, eh bien, peuvent vraiment bien protéger les ménages. Et dans le même domaine, nous avons aussi un mécanisme permettant de mieux faire face aux chocs futurs et aux chocs les plus importants. Ces programmes de protection sociale d'urgence, eh bien, ce sont des programmes qui sont automatiquement déclenchés par des systèmes d'alerte précoce et aussi dans le cadre de systèmes d'ouverture de comptes en banque pour les personnes. Mais il faut évidemment avoir pour fondement l'information et les données sur les personnes. Et donc,
Cela permet de transférer ces programmes de façon bien plus rapide, de les exécuter plus rapidement, et cela est essentiel, surtout dans cette situation de choc et de crise. Et l'ouverture de comptes en banque, surtout dans des conditions idoines et évidemment à faible coût, et cela pour que les familles puissent mieux faire face aux impacts des chocs et aux impacts du changement climatique. Et donc, je voudrais ici mettre en exergue trois éléments. Premièrement, voici une réalité. Les ménages font face à de nombreux risques. Et là, nos mécanismes de stabilisation doivent être réactifs, surtout pour voir couvrir davantage de chocs, non seulement par l'intermédiaire de transferts de monnaie, d'espèces, d'argent, mais aussi par d'autres activités et programmes de protection sociale qui se concentrent sur le renforcement de la résilience des activités qui sont en cours aujourd'hui et qui permettent d'avoir des actions viables et continues. Autant d'activités où nous nous rendons compte de l'utilité de ces programmes de protection sociale et aussi couvrir davantage de personnes, de bénéficiaires pendant les périodes de grande sécheresse. Non seulement transfert de liquidités, d'argent, mais aussi des programmes pour permettre aux communautés de mieux faire face aux risques qu'elles connaissent et qu'elles subissent. Des activités complémentaires en même temps, non seulement des programmes de protection sociale et de transfert d'argent, mais d'autres complémentaires qui accompagneront les activités et programmes de protection sociale. Donc, tous ces programmes simultanément pour renforcer la résilience et diminuer l'impact des aléas du changement climatique. Et enfin, et non des moindres, à partir du moment où tout ceci commence à se faire, de toute évidence, les ressources, la mobilisation de ressources est une considération importante et il convient de mettre l'accent sur cela et se doter de la stratégie la plus idoine afin que des modalités de financement diverses puissent être mises à disposition dans le cadre de régimes de pension, d'assurance et aussi grâce à des fonds qui existent ou qui peuvent être créés parfois au niveau du secteur public, des programmes d'assistance sociale et d'assurance au niveau des pouvoirs publics, au niveau central et subnational et régional. Merci. Alors, je pose une question à tout un chacun. Et d'abord, merci beaucoup de cette discussion très intéressante. Maintenant, nous allons voir une vidéo et nous allons aller vers Madagascar. Alors, Mudu et sa famille font partie des quelques 160 000 ménages qui ont bénéficié d'un programme de transfert d'argent. Et ce, pour les ménages les plus vulnérables qui subissent de plein fouet l'impact de la pandémie de la COVID-19. Je vous propose de voir cette vidéo. Nous approchons désormais la fin de notre programme. Je suis également la conversation en ligne
Et j'ai recueilli des commentaires de nos spectateurs. D'abord, une question que je vais poser à tout le monde. Je voudrais revenir vers les ministres de l'Angola, du Bénin et du Cameroun. Quel était le rôle des programmes de protection sociale dans la réponse aux dernières crises, y compris la pandémie? Monsieur le ministre du Bénin, si vous souhaitez commencer. Mr. Wadani, are you with us? Monsieur Wadani, êtes-vous avec nous? So I'm going to ask first of I all. Think he has left, hein? Yes, maybe he has. Je pense left. Qu'il a dû, il a dû nous quitter. Alors peut-être que cette question s'adresse à Madame Nguéné du Cameroun, si vous souhaitez répondre. You are still on mute. Yes. Madame, votre micro est éteint. Voilà, ça y est. I'm so sorry. Thank you for giving me the floor again. Your question gives. Je vous remercie de m'avoir donné à nouveau la parole. Cette question est une occasion pour moi d'évoquer les filets sociaux, et si vous y consentez, je répondrai en français. Les mesures de protection sociale adaptative que le gouvernement a engagées avec le soutien de ses partenaires pour accompagner la résilience macroéconomique devait en effet pouvoir limiter les risques et les chocs sociaux. Il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de poursuivre et de renforcer ces mesures d'assistance et d'assurance sociale ciblées pour aider les populations et particulièrement les maillons les plus vulnérables à faire face à cette situation. C'est donc le lieu pour moi ici d'évoquer le projet de filet sociaux adaptatif et d'inclusion économique que le gouvernement lance avec le soutien de la Banque mondiale. Et dans ce projet, il y a une composante qui est en train d'être implémentée dans notre ministère que nous avons appelé registre social unifié. Le registre social unifié qui est mis en place, qui est en cours, permettra d'identifier et de canaliser rapidement et efficacement le soutien des ménages, n'est-ce pas, tout en renforçant la coordination entre les agences gouvernementales et les partenaires au développement. Alors, c'est quoi ce registre social unifié? Il est appelé à jouer un double rôle. D'abord, un rôle de politique sociale comme système d'inclusion et ensuite un rôle opérationnel comme système d'information sociale sur les conditions socio-économiques des populations pauvres et vulnérables, particulièrement utile en période de choc, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il permettra ce projet-là au programme d'assistance sociale d'inscrire de nouveaux ménages et d'étendre le soutien aux bénéficiaires actuels sur la base des critères spécifiques que nous allons élaborer, là où cela est nécessaire et à temps, et en améliorant ainsi notre capacité à répondre aux risques d'agitation sociale qui pourrait survenir. Donc oui, le projet registre social viendrait quand même barrer la voie au risque d'agitation sociale. Thank you, Mrs. Nguéné. I think the image. Merci beaucoup, Madame Nguéné. L'image est gelée, mais je pense que vous aviez déjà proposé la réflexion que vous souhaitiez partager avec l'Assemblée. Donc, je voudrais poser la même question à Monsieur Gelembi de l'Angola, si vous souhaitez répondre, ou Monsieur Caetano. Excusez-moi, Monsieur Caetano est avec nous. Vous avez la parole, Monsieur. Merci beaucoup, Madame Chimbakala. Effectivement, nous avons dû agir avec agilité et avec détermination, d'autant plus qu'entre 2016 et 2020, l'Angola était dans un cycle de récession. Il y a eu une crise économique et financière en Angola. Et ensuite, la COVID-19 est venue s'y ajouter. Ces chocs se sont manifestés par une augmentation du chômage
par une réduction des revenus des familles et par l'augmentation du taux de pauvreté. Nous avons donc mis en place des programmes de transfert d'espèces pour remplacer les subventions, y compris les subventions au carburant. Nous avons lancé ces transferts avec l'aide de la Banque mondiale. Actuellement, nous avons un programme qui s'adresse aux ménages les plus vulnérables. Nous avons déjà enregistré plus de 300 000 familles dans le cadre de ce programme et nous avons lancé notre programme de transfert d'espèces à ces centaines de milliers de familles, notre objectif étant de parvenir à 1 600 000 familles. Ce programme se subdivise en trois catégories principales. D'abord, les transferts monétaires sociaux. Ensuite, l'inclusion, puisque nous voulons faire le lien entre ces transferts et l'inclusion à la vie productive. Nous voulons que les individus puissent pleinement bénéficier de ces transferts pour se lancer dans une activité économique, quelle qu'elle soit, et ainsi passer au-dessus du seuil de pauvreté. Et le troisième pilier, c'est la généralisation de la protection sociale. Outre cela, nous avons également constaté lors de la crise sanitaire que beaucoup d'opérateurs économiques se sont retrouvés dans le secteur informel. Et donc, en décembre dernier, nous avons lancé un grand programme qui s'adresse à l'économie informelle en vue de lui accorder un ensemble de services publics et faire en sorte qu'ils puissent sortir de l'informalité. Et puis, nous voulions aussi agir sur le front des marchés financiers, accorder un accès au crédit qui permettrait, et ça a été le cas, d'augmenter l'activité économique. La plupart des services que nous avons à ce titre sont très populaires, notamment les microcrédits. Désormais, de nombreuses personnes sont en mesure d'en bénéficier. Et nous avons également des services d'intégration financière. Donc, nous nous sommes associés à des banques commerciales. Nous avons également mené de nombreuses formations pour la gestion d'entreprise, la comptabilité, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, nous avons décidé d'intégrer les services de gestion financière mobile. Pour ces services tout particulièrement, ce sera très utile pour nous pour nous assurer que ces transferts d'argent vont effectivement aux bénéficiaires prévus, raison pour laquelle les services mobiles seront d'une importance particulière. Et puis, dans notre processus de formalisation de l'économie informelle, nous allons rencontrer des situations comme les confinements. Lors des confinements, nous avons forcé les acteurs économiques à rester chez eux et à s'abstenir de toute activité économique. Et donc, il était indispensable de transférer des fonds aux personnes qui en avaient besoin. Autrement dit, nous sommes encore en train de consolider notre approche. Mais nous avons déjà formalisé l'emploi de plus de 150 000 femmes, en particulier sur les marchés. Notre cible est de 300 000 pour cette année. Et nous pensons que l'année prochaine, nous allons commencer à utiliser des technologies disruptives afin que ces personnes puissent rester dans le secteur formel
et utiliser ces technologies pour consolider leur place dans le secteur formel. Voilà les approches que nous avons adoptées pour répondre à ces défis et j'espère que nous pourrons rapidement en voir les retombées positives. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Caetano Jean. Nous en arrivons presque à la fin de notre programme qui dure depuis près d'une heure et demie. Je voudrais me tourner vers vous, Monsieur Ousmane Diagana et Monsieur Hafez, pour quelques brefs mots de clôture. Peut-être que vous pourriez nous dire quelle sera la principale chose que vous retiendrez de ce débat. Monsieur Diagana, la parole est à vous. Encore merci, Dominique, et je remercie l'ensemble des participants de leur contribution importante. Le dialogue aujourd'hui a été très interactif et je voudrais simplement dire que les filets de sécurité sont indispensables et que nous sommes tous engagés à poursuivre sur la voie actuelle. De notre côté, soyez certains que nous allons continuer de renforcer les programmes que nous avons en cours et de nous adapter à la situation des pays qui est en constante évolution. Ensuite, je dirais que les conséquences de la guerre en Ukraine pourraient également être une opportunité pour nous tous. C'est l'occasion d'investir davantage sur les programmes qui favoriseront la résilience, mais surtout, c'est l'occasion pour nous de transformer de manière structurelle nos économies en investissant dans l'agriculture, dans les infrastructures et de manière générale dans la connectivité, y compris la connectivité physique dans le contexte de l'intégration régionale. Et enfin, il faut que nous investissions de manière générale dans le capital humain. Il faut investir dans la jeunesse et laisser la jeunesse réaliser son plein potentiel. Il faut investir dans tous les pans du secteur de l'éducation, autre domaine auquel nous devons accorder davantage d'attention. Encore une fois, je remercie tout le monde pour ce débat très enrichissant. Merci beaucoup, Dominique. J'ai très peu de choses à ajouter en réalité à ce que Ousmane a dit et j'aimerais simplement souligner une chose qui a été évoquée. En l'occurrence, l'importance de l'intégration régionale. J'espère que l'accord de libre-échange continental africain va donner une véritable impulsion à l'intégration régionale. Il faut absolument accorder une attention à ce dossier pour rendre notre continent plus résilient face aux chocs exogènes, mais il faudra aussi œuvrer pour faire de cet accord une réalité sur le terrain et pas uniquement une décision qui ne fait l'objet d'aucun suivi concret. Nous devons donc tous nous associer pour faire de cet accord une réalité, que ce soit par exemple en investissant dans l'interconnectivité ou encore en menant des projets conjoints. L'Afrique doit investir dans l'électricité, dans l'accès à l'énergie pour ses citoyens, et ça fonctionnera beaucoup mieux si nous pouvons faire le lien entre différents réseaux énergétiques africains. On voit déjà ça avec le Power Pool d'Afrique de l'Ouest et la même chose en Afrique de l'Est, et nous devons continuer d'investir dans l'énergie, ce qui passera par des investissements conjoints et supplémentaires. C'est bien ça qui va primer dans ce secteur à l'avenir. Beaucoup de choses ont été dites sur l'importance de la protection sociale, l'importance de la diversification de l'économie, l'importance de la lutte contre le changement climatique, l'importance des investissements dans l'humain, dans le capital humain.
Mais je voudrais également souligner l'importance de l'intégration régionale qui pourrait être la voie de l'avenir pour nous. Merci. Merci beaucoup, Hafez. Et nous pouvons désormais remercier l'ensemble des intervenants et du public qui nous suit, en particulier celles et ceux qui ont partagé avec nous l'expérience dans leur pays. Ce fut un plaisir pour moi de modérer cette manifestation si importante. Et nous allons passer à la conclusion de notre programme en musique avec un groupe, et j'ai le plaisir de vous présenter Maa Keita. Donc, sur ce, nous passons à la musique et passez une bonne fin de journée, toutes et tous. D'être là parmi vous, je m'appelle Maa Kuja Keita, je suis sénégalaise, j'ai 34 ans, je suis musicienne, bassiste, je suis aussi activiste en faveur des personnes atteintes d'albinisme. C'est un plaisir de participer à cette touche surtout tous les problèmes économiques, l'accès aux emplois formels et informels, les conséquences économiques de la pandémie. C'est un sujet auquel les personnes comme moi sont confrontées parce que le secteur culturel aussi, c'est un secteur qui est impacté économiquement, pas seulement par la pandémie du COVID-19, mais tous les événements politiques, sociaux, nous sommes impactés là-dedans. C'est une responsabilité de lancer un appel à toutes les autorités, de tenir en compte tous les secteurs d'activité pour que nous puissions être mieux préparés en conséquence par rapport à ça. Je vous remercie. Bonjour à tous.